De retour sur le plateau de ETV Service, encore une fois votre quotidienne préférée. Oui, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, à l'envers, ça donne 23h, 17h, midi et demi. Dites ça à votre famille et à vos amis. En parlant d'amis et famille, je suis sûr que vous adorez tout ce qui est décoration. En plus, là, on est en période de carnaval, donc vous allez voir des chars, des décos. Mais comment sont-ils réalisés? Eh oui, et surtout avec quoi? Eh bien là, j'ai deux invités. Eh oui, ils ont créé l'Ilio Déco. Ils viennent nous en parler. Vous verrez, vous allez halluciner. Je reçois Nathalie et Fabien. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien installé, comme j'aime bien demander? Ah oui, c'est bien installé. Allez. Oui, tranquillement. Vous avez vu la petite vue qu'on a sur la mer de TV? C'est beau quand même, hein? Ah, eh oui, comme ça. Eh, c'est comme ça en Guadeloupe. Alors, vous êtes venu nous parler donc de l'Ilio Déco. Oui. Vous construisez des décors avec du polystyrène. Voilà. Alors, vous faites ça depuis combien de temps? Alors ça a commencé il y a 13 ans déjà. 13 ans. 13 ans, l'âge de mon fils. Parce qu'on a fait un constat que je ne voulais pas avoir des amuse-gueules sous des ananas et tout. Okay. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une création, piquer mes amuse-gueules sous une corde de la Guadeloupe. Et c'est parti comme ça. Et depuis lors, ça fait ce petit bonhomme de chemin. Et après des goûts, des corps maintenant. C'est fou parce que vous allez voir tout à l'heure les photos, vous connaissez le principe, on va vous passer les photos en double écran et vous allez halluciner. Je suis sûr que vous avez déjà vu leur décor, et bien c'est bien eux qui sont là, ils sont à deux. Alors, est-ce que vous êtes autodidacte? Est-ce que vous avez suivi une formation pour réaliser tout ça? Parce que c'est relativement impressionnant. Non, on n'a suivi aucune formation, on est seulement passionnés. Passionnés. Donc la passion a fait qu'on a toujours envie de créer et puis de fil en aiguille, ben, on crée de plus en plus gros et de plus en plus spectaculaire, on va dire. Et vous prenez combien de temps pour, par exemple, construire un décor, on va dire de base, on va commencer doucement, un Vaval en polystyrène, vous prenez combien de temps pour construire tout ça? Alors un Vaval, c'est ça en polystyrène? Moi, je peux mettre environ 2-3 semaines pour le réaliser. Si c'est en polystyrène, ouais. Si c'est de la sculpture, ça va relativement plus vite. Mais si il faut réaliser un Vaval en papier ou en carton mâché, parce qu'on va le brûler après pour être écologique, ouais. Ça va prendre plus de temps parce qu'il y a un temps de séchage, tout ça. Okay. Alors, ça peut prendre environ un mois, voire même plus, ça peut déborder. Mais si c'est en polystyrène, c'est pour faire le Vaval sculpté. Je peux prendre 3 semaines pour le faire. Ah, juste, vas-y, ouais. 3 semaines, c'est vraiment la création. Parce qu'il y a le croquis avant. Ah, il faut savoir ce qu'on va faire. Exactement. Donc, le temps que l'idée vienne, 3 semaines, on va dire 1 mois quand même aussi. Hein, possible, ouais. Parce qu'il faut le dessiner, il faut vraiment regarder au niveau des détails, faire une maquette aussi des fois si on en a besoin. Justement, ben voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche. Comment, voilà, quel est le processus de création? Déjà, une idée vient, comment? C'est en vous promenant, je sais pas, en Guadeloupe, sur les plages, ça me paraît être un bon décor. Déjà, qui dessine entre vous deux? Et ensuite, comment ça se passe au niveau matériaux? Où vas-tu chercher les matériaux? Bon, alors moi, c'est moi qui dessine. Ok. Pour le matériel, j'ai mon fournisseur de polystyrène en Guadeloupe, c'est le seul qui fait le c'est quand même industrie, je nomme son nom. Ok. C'est le fournisseur. Ensuite, les clients en général, ils viennent avec un thème bien précis, parce que c'est personnalisé. Ils me disent, Fabien, Nathalie, on veut ça, parce que c'est pour nous créer ça. Ok. Alors je regarde, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ensuite, je crée, et quand j'ai terminé blanc, je laisse pour Nathalie, elle met tout ce qui est paillettes, pour customiser un petit peu. Oh, ok. Donc toi, c'est la partie tuning. Voilà. J'adore les paillettes. C'est moi. La touche féminine. Ah, ouais, t'adores les paillettes. Voilà. Tu veux des paillettes dans ta vie, toi aussi. Oui, il faut mettre des paillettes dans sa vie. Exactement. De la joie. Mais j'aime beaucoup. Moi, bon, Fabien, moi, je suis une quiche en dessin. C'est vrai, clair que, à peine si je dessine un bonhomme. Mais j'ai beaucoup d'idées. Donc, j'ai beaucoup d'idées. Donc, à chaque fois, je dis, il faut me dessiner là, il faut me dessiner ça. Et ensuite, je mets de la couleur dessus. Excellent. Un truc qui est clair à l'idée, quoi, avec Nathalie et moi-même, si on n'est pas d'accord tous les deux sur un truc, ça sortira pas de la tête. Non. C'est clair. Il n'y a pas un qui, quand même, dit bon, vas-y, tu as raison. Non, c'est fou, c'est depuis des fois, il fait quelque chose, il l'a découpé, il l'a déjà fait, je regarde, je lui dis non. Non, oui, t'aimes pas et tu brûles. Non, je ne brûle pas. Elle me dit, ah, j'aime pas toi comme ça, t'as déjà fait mieux que ça. Je dis, ok, je refais ça. Et c'est bon. Ça nous est c'est Nathalie qui n'a pas été dit, ah, t'as fait ça mieux que ça. Elle me dit, mais ok, je vais refaire. C'est fou. Et vous êtes seulement à deux. On donc à deux. Ça fait 13 ans que vous êtes à deux comme en train de construire des décors de ouf. Tout à fait. C'est dingue quand même. Tout à fait. Ouais. Et vous avez jamais eu besoin, ressenti le besoin d'avoir un peu d'aide ou est-ce que il y a aussi le côté j'aime bien maîtriser ce que je fais. On est à deux, on fonctionne très bien à deux, on n'a pas besoin d'autres personnes. Est-ce que c'est ça? Non, la création en atelier, on est à deux. Ouais. Mais après peut-être pour le montage,
j'ai des petits jeunes de mon quartier qui viennent, qui ont toujours vu nos débuts, ouais. Ils viennent des fois avec moi. Et on est là, ils montent avec moi, ils montent des corps, ça peut être la famille, ouais. Ils viennent avec nous. Mais sinon, on est toujours à deux à faire, à démonter aussi après la fête. Mais justement, parce que ça peut être inspirant pour les plus jeunes, voilà. De te voir bosser, tu vois, c'est manuel, c'est vraiment très instructif. Mmh. Est-ce que ça t'inspire et est-ce que des jeunes justement viennent te voir et est-ce que ça t'intéresse peut-être de donner des cours à des plus jeunes? On a déjà fait. Ah ouais? On a déjà, alors on a déjà eu un ou deux stagiaires. Bon, d'accord. Certains devaient avoir une stagiaire, mais bon, les stages ne tombent pas au bon moment. Ensuite, moi, pour ma partie, tout ce qui est paillettes, donc j'ai déjà travaillé avec une amie, mais moi-même, je lui ai dit, ça va être compliqué. Je suis jamais satisfaite. Okay. Donc, je dois toujours repasser derrière. Pour moi, c'est pas comme ça. C'est pas moi-même. Des fois, quand Fabien peint, je lui dis non, c'est pas possible. Okay. Laisse-le à côté, je vais recommencer. c'est excellent. Et c'est comme je dis aux jeunes aussi, lorsque je sculpte, ouais. Un bloc de polystyrène, c'est coûteux. On voit que c'est du polystyrène. Ouais. On va dire, ah, c'est du polystyrène, c'est pas cher. Non, c'est coûteux. Un bloc de polystyrène, c'est coûteux. Alors moi, j'aime pas avoir du gâchis. Okay. J'aime pas rater. Si je fais un truc, c'est une seule fois, on retourne pas. Comment on dit, c'est one shot. Et voilà. Ah ouais. C'est un seul coup. Un seul coup. Excellent. Et c'est ça, ça nous a valu notre slogan à nous. Quand on laisse que les gens viennent chez nous, ouais. On dit, l'île déco, l'idée aussi déco, wow. C'est une idée et on crée ta décoration. Ah, ça, c'est venu comme ça, notre slogan. L'idée, ouais. C'est déco. Oh. Alors là, on est en période de carnaval. Oui. Sauf si vous regardez les best-of, vous connaissez déjà le principe. Hein. Best-of, mercredi, le week-end, on rediffuse histoire de tout vous faire voir. Est-ce que les groupes viennent vers vous ou est-ce que c'est le contraire? Les groupes viennent vers nous. Ouais. Ils viennent vers nous en général. Bon, là, pour les demandes qu'on a déjà eues, c'est, on va dire, moi j'appelle ça les compléments de déco. Okay. Donc, peut-être un objet pour mettre sur une coiffe ou pour mettre sur un vêtement. On a eu aussi quand même, on a fait quand même pas mal de pièces pour des décors. Bon, je ne sais pas si je peux citer les groupes. Bon, vas-y, c'est des groupes. On a des groupes comme Explosion, on a Prestance, on a Avant-Vent, on a Phoenix. Okay. Depuis un moment, on a... comment ça s'appelle ? Excellence aussi. On a eu l'occasion de travailler aussi pour Massif, Waka de Bastère, à Touban. Donc oui, voilà. les groupes. Pour le Mardi Gras, tout ça, c'était vous. On crée. Alors oui, on crée des. Ouais. Alors c'est pas le décor ouais, en plein. En lui-même, ouais. On a déjà fait des décors en plein, mais ce sont des pièces qui vont compléter. Voilà le leur décor final. Donc encore une fois, on vous invite à vraiment maintenant que vous avez les noms, regardez un petit peu mieux le carnaval, vous verrez Lilo Déco. Ouais. Et oui, leur production. Oui. Et je vous rappelle que le carnaval Mardi Gras, c'est en live sur ETV et puis en plus, c'est en HD. Quel est le plus grand décor que vous ayez réalisé pour le carnaval? Pour le carnaval, le plus grand actuellement, là, c'est le Baval de dimanche. Ok. Donc ça va être pour le défilé de la commune du Moule. Ouais. Donc le comité carnavalesque du Moule nous a demandé de réaliser, enfin nous a fait l'honneur, hein, quand même de nous demander de réaliser le Vaval du défilé. Ah, donc c'est le thème, c'est la malbouffe. La malbouffe. Alors vous allez voir un Vaval qui est assez comique. Je laisse la surprise, vous allez voir bientôt. Alors là, niveau idée, ça a dû fuser. On a même refoulé des idées. Allez, non, ouais. Non. Ah oui, non, mais effectivement, c'est vrai ouais, ah ben oui. Parce que bon, on a une plateforme, donc on ne peut pas tout mettre. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, pour ma part, hein, c'est vrai, tout le temps, il me dit, mais t'es trop stressée. Dès que je sais que je dois partir sur un décor, ouais. je ne dors pas. Ah, tu m'étonnes. Toute la journée, toute ça la journée. Ça dans la tête. Voilà, mais c'est ça, être artiste. C'est exactement mais pour les décors de scène. Lorsqu'on crée des décors de scène, c'est pareil. Hein. On ne dort pas, hein. On est à fond dedans. Alors justement, ça tombe bien que tu parles de décors de scène, parce qu'on va laisser un petit peu le carnaval. Vous ne faites pas que le carnaval. Non. Ah non. Et oui, donc mais vous pouvez les contacter pour autre chose, par exemple des mariages, des manifestations. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Ben, on va parler d'ailleurs, avant que j'oublie, parce que franchement, moi, j'ai adoré. Je ne savais même pas que c'était vous. Et là, c'est vraiment la honte. Mais pour l'élection de Mister Guadeloupe 2019, le thème était circus. Allez voir les images sur YouTube. D'ailleurs, on va vous parler. Voilà, ça passe en double écran. C'était magnifique. Oui. Première question, ça vous a pris combien de temps, encore une fois, pour réaliser tout ça? Ça prend. Moi, je réalise ça en 14 ans, moi. Non, oh, non, même pas. C'est vrai que l'organisateur nous avait donné le thème. Un an à l'avance, ouais. Mais le décor en lui-même, il a été réalisé 2 semaines.
En deux semaines. Ouais. Deux semaines. En plus, vous travaillez vite. Alors, non, mais deux semaines intensives, ça veut dire du lundi au dimanche, on est dedans. Dessus, oui. De 6h, 8h, enfin, 6-8h du matin jusqu'à des fois minuit. Hein, on peut on sent les passionnés. Tu dis minuit, mais je sens le 4h du matin. Oui, ça peut arriver. Hein. Tu sais, quand tu pars dans un décor comme ça, tant que tu n'as pas fini, tu veux voir la fin. Exact. Donc, tu es dedans. Tu ne vois même pas le temps passer. C'est comme si le monde s'arrête autour de toi. Ouais. C'est toi et ton décor dans ton atelier. Voilà. Passion, mes amis. Voilà ce qu'on appelle la passion. Alors, quel autre décor avez-vous réalisé qui est aussi prestigieux que ça? Alors, on peut citer aussi des décors pour des magasins, ouais. Comme chez Carrefour Millenis. Ça, tu vois, fallait pas nommer de marque. On va saluer Ikea avec peut-être, je sais pas, Destreland. Ah, exactement. Et peut-être But. Ouais, voilà. Vas-y, c'est pas grave, ça arrive. Mais tous les décors suspendus que vous voyez dans les centres commerciales. Voilà. Souvent. C'est nous. C'était à Pâques, c'était nous. Noël, c'était nous. La foire au vin, c'était nous. Ok. Et voilà, divers magasins en Guadeloupe. On fait des décors aussi suspendus. Et voilà, c'est non politique. Après, on ne fait pas que de gros décors. Voilà. Il y a des petits décors. Enfin, ça dépend. On peut nous demander des trucs tout bêtes. Vous faites tout, en fait. Tout. Vous n'avez pas de limite. Est-ce que vous avez une limite, justement? Non, justement. Non, on ne veut pas se mettre de limite. Non, justement, on ne veut pas se mettre de limite. Ça peut être un simple artisan maçon qui vient de me dire que voilà, je voulais faire un moule pour fraîche. Ah ben, je réalise ça pour lui. C'est pas un souci. Ça peut être bouteille de champagne, bouteille de vin. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Mais si vous voulez pour une déco, votre mariage, un événement, ils peuvent le faire. J'ai une bouteille de champagne de 2 mètres en création en atelier, là, justement. Wow. Ouais. Vous allez voir bientôt aussi. Il ne faut pas se mettre de limites. Quand on crée comme ça, il faut se dire, je vais y arriver. Moi, le truc, c'est qu'on s'est dit, on veut que nos décorations soient accessibles à tout le monde. Ça peut être, même pour un anniversaire, un simple petit objet que tu fais, on peut créer. C'est accessible à tout le monde. Il ne faut pas lorsque les jeunes nous voient vous dire « Ah, c'est pas fait pour moi, non. Ouais. » J'ai fait l'anniversaire de mon fils, juste une figurine, de son prénom, c'est possible. Mmh. Okay. C'est avoir une belle déco, même à moindre coût, mais avoir une belle déco, que tout le monde puisse en profiter. Okay. C'est vrai qu'il y a des fois des déçus, j'ai dit que c'est trop tard, parce que lorsqu'on a atteint notre quota, on dit « Stop ». Ah ben, au bout d'un moment, il faut savoir dire stop aussi. Faut savoir dire stop. Alors les gens disent, oh, même pas une petite création. Je dis, non, on ne peut pas, il y en a déjà trop de commandes. Il ne faut pas prendre votre argent que de pouvoir ne pas le réaliser après. Les gens, après, ils comprennent très bien et ça se passe bien normalement, tous les clients. En plus, ils sont sérieux parce que d'autres vous auraient dit, oui, on prend votre argent et puis on fait le travail, c'est bâclé. Eux, ils préfèrent vous dire, non, voilà. Stop. On a déjà assez de boulot comme ça, on va se coucher à 5h du matin pour se lever à 5h15. Et avec quel autre matériel, justement, tu travailles? Parce que je sais que, bon, on a dit papier, polystyrène. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux que tu utilises? On travaille le bois, mais je ne peux pas trop m'aventurer dedans. Je travaille le carton, mais non, on peut faire laisser. Sinon, on fait de la décoration aussi, de mariage, événements. On fait beaucoup de décoration. Ouais. Et on essaie toujours d'avoir notre touche personnalisée, que ce n'est pas comme tout le monde. Ouais. C'est pas différent. Quelqu'un regarde, il sait que c'est... Là, il sait que c'est nos déco. D'accord. On peut vous mettre un truc qui fait qu'ils savent que c'est nous. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on vous a déjà appelé à l'extérieur, je vais dire, peut-être Martinique, Saint-Martin, ou les îles anglaises, on ne sait jamais, oui. Alors, on travaille avec une décoratrice en Martinique, sinon on a déjà été appelé en Martinique pour faire des décorations de mariage, d'accord, pour réaliser des décors aussi. Mais après, le problème, c'est vraiment déjà d'avoir un atelier. Ouais. Et puis, dans notre atelier, on a tout sous la main que... Ouais, on nous a déjà demandé d'ouvrir un magasin sur la Martinique. Mais bon, ça peut être dans nos projets, mais et ça demande encore une autre organisation. Oui, parce que je suppose qu'il faut qu'on se cure sur place. Parce que le transport, bien sûr, du décor n'est pas peut-être possible. Oui. Sauf si vous faites un partenariat avec une agence de voyage. Voilà. Je ne sais pas, je lance des idées comme ça. Coucou. On a fait Miss Désirade aussi. On a fait Miss Désirade aussi. C'était compliqué sur la barge de charger tout le décor. On a tellement travaillé, on réfléchit tellement beaucoup, Nathalie et moi. C'est que lorsqu'on fait le plus simple décor, on a fait un système de puzzle. D'accord. C'est que tous nos décors sont désemboîtables, qu'on peut même envoyer à l'extérieur maintenant.
Okay. C'est pas collé direct. Les gens, lorsqu'ils arrivent, ils emboîtent et ça fait un décor. On envoie sur la métropole. Et vous faites aussi les soirées, les événements de nuit, tout ça. Oui. Ouais. Oui, c'est une idée aussi que je donne aux organes de soirée. N'hésitez pas à les contacter parce qu'on en a marre de voir toujours les mêmes décos. Vous gonflez 2-3 ballons et vous avez fini avec tout. Hey, nous, on veut du beau, on veut du rêve, on veut du Lilo déco. On veut du personnalisé. Ouh, c'est un bon slogan, ça. Hey, c'est cadeau, tiens. Du beau, du rêve. C'est pas mal. Vous m'avez fait rêver pour Mister Guadeloupe là, avec le circus. Moi, je vous donne. Mais par contre, c'est vrai, nous, on ne vend pas du rêve. Ouais. On le fait, exactement. On fait le rêve. Voilà. C'est une émission de slogan. Non, on ne vend pas du rêve, c'est vrai. Nous, on fait le rêve. C'est vrai, en général, on dit ça tout en client. Si on sait qu'on ne pourra pas faire quelque chose pour vous, on vous le dit direct. D'accord, c'est bien ça, c'est honnête. On ne va pas vous dire que oui, après c'est pas ça. Non, on vous donne ce que vous avez demandé, ce qu'on va. Et après ça passe nickel. Excellent. Ouais. Et forcément maintenant, là, on veut vous contacter, on veut savoir où regarder les créations. Oui. Est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, un compte. Alors, on a Facebook, oui. Lilo Déco, on a Instagram, Lilo Déco aussi. Oui. Après, on a bientôt un site internet, donc c'est vrai que c'est en projet. On est en train de créer un site où on va pouvoir vendre des petits décors. Excellent. Des petits décors, pas de gros décors. Mais on va essayer de pouvoir vendre des petits décors et mettre à la location aussi. D'accord. Par rapport au projet que j'ai. Ensuite, Instagram, oui, Twitter. Alors, numéro de téléphone. Ouais, numéro de téléphone. Je ne sais pas si je dois le dire. Ou... 48, 30, sauf si c'est un personnel. De toute façon, c'est déjà à l'écran, c'est trop tard. On va vous... Je vais pas dormir. Oui. Je vais pas dormir. Oui. Non, c'est déjà à l'écran. Sinon, aussi, on a un show, c'est l'atelier. Okay. Dans mon atelier, on a fait un showroom. Les gens peuvent venir aussi en temps normal, recevoir sur rendez-vous. Mm-hmm. Mais maintenant qu'on a le showroom, les gens peuvent venir regarder nos créations directement. Il y en a une partie vente aussi. C'est pour les retardataires, s'ils ont un anniversaire de 10 minutes. Ils peuvent acheter une création chez nous. Et vous faites des expos aussi, des expositions On vous a déjà appelé pour dire, allez, on va exposer vos chefs-d'œuvre, non? Non, mais on est souvent au salon du mariage. Okay. On fait le salon du mariage tous les deux ans. Et là, les gens nous marquent, nous connaissent déjà un petit peu par le salon du mariage. Ils connaissent un petit peu notre travail, voilà. Ah, on nous connaît même en France quand même. Hein. Ah. On a des personnes, alors c'est étonnant parce que des fois, on a des personnes qui sortent de France et puis ils nous trouvent. Et puis on nous dit, oui, mais je sors de tel endroit. Ah bon? On a des clients qui sortent de Martinique, oui. On a eu Guyane, on a eu la métropole, on a eu Mayotte, ah ouais, on a eu Saint-Martin. Oui. Ah ouais. Ouais, on a des clients j'ai des clients qui viennent de Martinique, viennent chercher leur création et repartent avec. Et tout ça sans site internet. Voilà. on attend le site internet avec impatience. Ouais. C'est vrai que le bouche à oreille aussi, ça mange beaucoup aussi. Ouais. C'est ce qui a fait le début. Et ça prouve que le travail est bon, parce que le bouche à oreille fonctionne quand le travail est bon. Et c'est ce qui a fait nos débuts, hein, parce qu'au départ, on n'avait pas de site, on n'avait pas de Facebook, rien du tout. Et vous avez commencé avec une petite table. Alors, on a commencé. C'est marrant parce que des fois, quand on regarde le coin où la table était dans la maison, on se dit, non, mais franchement, tu te rends compte, on a commencé là, une petite table carrée en plastique. Et le pire de tout ça, c'est que on faisait ça, mais je travaillais. Ouais. Ok, à côté. On travaillait tous les deux, ouais. Ah ouais, je travaillais. Et j'ai arrêté mon travail. Pour prendre la passion. Pour faire la passion. Devenir notre métier. On a créé notre société, notre entreprise. Notre petit empire, comme on dit, c'est notre bébé à nous. Ouais. Mais on essaie tous les jours de le garder comme bien, de le faire grandir. Il ne faut pas tâcher son image. Il faut rester sérieux. Toi-même, tu sais. Mais on sent le sérieux et la passion. Franchement, félicitations. Clair. Donc, on vous rappelle, on a beaucoup parlé du carnaval, mais ils ne font pas que le carnaval. Ils font des décors vraiment pour tous les événements, mariages, ateliers, décors, magasins, centres commerciaux, appelez-les. Oui. Ils vous font ça, franchement, aux petits oignons. Merci d'être passé sur le plateau pour nous faire découvrir toutes vos créations. Quand il y a une nouveauté, vous repassez. Pas de soucis. La porte est ouverte, comme je dis toujours, j'ai enlevé le cadenas. On frappe, toc. Vous, toc, 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 j'ai dit, et c'est moi qui reçois, vous avez vu? C'est moi qui vous l'apporte, bienvenue, installez-vous. On a été bien reçus, franchement, rien à dire. Si ça vous plaît, ça me plaît. On est à l'aise. Merci à vous, en tout cas, ça fait un réel plaisir. Et franchement, à très vite. En plus, on va voir vos créations pour les jours gras, donc c'est bien. Continuez comme ça.
Voilà. Du moule. Voilà, vous savez tout maintenant. Ben moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, avec un nouvel invité encore. Et oui, l'émission n'est pas encore terminée, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.